Forces républicaines de Côte d'Ivoire ont lancé une grande offensive sur la ville d'Abidjan. L'unique objectif de nos forces est la restauration du verdict des armes et conséquemment l'installation du président démocratiquement élu, Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qui du reste vous fera une adresse sous peu. Ivoiriennes, Ivoiriens, ce jour, tôt dans la matinée, nos forces ont lancé l'assaut final contre les mercenaires étrangers et autres miliciens en faction de la résidence de l'ancien président. Après d'âpres combats, encerclés et vaincus, M. Gbagbo et son épouse Simone Gbagbo viennent de se rendre et sont à présent aux arrêts. Aussi, je m'adresse solennellement aux officiers, sous-officiers, militaires du rang de toutes les forces. C'est reparti. Je vous lance un dernier appel au ralliement. Il ne peut y avoir de chasse à l'homme. Rejoignez donc les forces républicaines. Je demande aux populations de garder le calme et de rester chez elles cette nuit. Une opération de sécurisation de la ville d'Abidjan sera menée. Peuple de Côte d'Ivoire, séchez vos larmes. Le cauchemar est terminé. Vive la République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.